Bonsoir à tous, 18h tout pile en ce jeudi et nous sommes ravis de vous retrouver pour 30 minutes de débriefing de l'actualité high-tech. C'est parti pour 01 Live Hebdo avec un petit peu de, comment dire, je sais pas si vous le voyez, voilà, non, des couleurs pour... J'avais pas vu, oui, mais mon tu, Dieu. Mais tu ne me regardes plus comme avant, Jérôme. J'aurais pu avoir un chapeau, une perruque, tu me reconnais même plus maintenant. Si. Et oui, alors écoute, on va dire une bonne fois pour toutes, allez la France pour ce soir, ah, voilà. Ça, ouais, ça c'est fait. On arrête. Allez, bon, on peut passer aux choses sérieuses. Vous auriez pu applaudir quand même ou faire quelque chose derrière. Attendez, il n'y a personne qui dit « Ah, quand même !» Attendez, eh oui. Voilà, merci donc aux trois qui sont derrière la régie et qui ont applaudi, on a bien entendu. Moi, je me désolidarise. J'ai bien marqué. Alors, Jérôme, au menu de ce Zéro Live Hebdo. Spécialité. Ah, j'ai eu peur, je croyais que tu t'étais arrêté d'un coup. Spécialité. Que faut-il emporter en vacances? Voici nos coups de cœur. Nous allons vous faire partager les coups de cœur dans la rédaction avec nos intervenants Jean-Sébastien Zanqui, Raphaël Grably, François Bedin qui seront là. Et Delphine, elle, va jouer les rabat-joie. Elle viendra nous dire que pendant les vacances, au contraire, il vaudrait mieux, il vaudrait mieux couper de la high-tech. C'est la détox. Couper la high-tech, complètement. Enfin, ça, vous prenez, compris. Alors la high-tech c'est un ruban, vous la coupez en deux. Coupez voilà, le web, comme ça. Vous m'avez compris. Exactement. Voilà. Alors bien sûr, voilà, on aura tous les coups de cœur de pratiquement, pas toute la rédaction, mais une bonne partie. Mm. Sachez aussi qu'il y a notre question orange, Jérôme, oui, pour ce soir. Et tout naturellement, elle porte sur le thème du jour. Quel est votre accessoire high-tech le plus précieux en vacances? Ouh là là là, alors attention, on parle pas des choses que tout le monde ou presque emporte, c'est-à-dire smartphone, ordinateur, appareil photo, tout ça. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Non, dites-nous plutôt entre une liseuse, un routeur, une coque étanche, une enceinte sans fil, une batterie de secours. Quel est le truc que vous ne voulez absolument pas oublier? Allez-y, votez. C'est sur la page, la homepage de 01net. 01net.com ou 01net TV, vous nous donnez votre avis, on fera un point complet sur ce sondage régulièrement d'ici 18h30. Comme d'habitude, vous pouvez interagir, c'est sur Twitter, hashtag 01live, vous nous posez vos questions, vos commentaires en direct et on y répond. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 01live Hebdo. Et nous sommes ravis d'accueillir dans ce studio Raphaël Grably. Salut Raphaël. Salut. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Et Jean-Sébastien Zanqui. Bonsoir à et tous. Voilà, journaliste de la rédaction de Zeronet.com que vous connaissez bien. Et ils nous ont fait leur sélection, Jérôme. La oui, sélection de l'été de Raphaël et de Jean-Sébastien avant de retrouver la tienne, avant de retrouver celle la aussi tienne de François Bedin, qui va venir tout à l'heure avec... c'est vrai que François aime bien tout ce qui est stockage, etc. Hein, oui. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure. Alors en fait, la sélection, c'est... Qu'est-ce qui vous a vraiment plu cette année, que vous avez du mal à, que vous aurez peut-être du mal à ne pas emporter dans votre valise, ou bien quel est le truc que vous avez peut-être ressorti, bah, je sais pas, qui est apparu en début d'année, mais qu'il faut absolument emporter avec soi cet été. On va commencer, comme d'habitude, à tout seigneur, sous tout honneur, sur 01net TV par parler de smartphone. Et bien sûr. Hein, of course. Et Raphaël. Et Raphaël. Oui. Quel avec est le produit. Alors j'ai un grand oublier écart, on va dire, avec deux produits. Pour le premier, je vais pas être très original, c'est le Samsung Galaxy S7, parce qu'il fallait bien trancher. On a eu quand même les gros flagships Android qui sont arrivés. Il y a eu le G5, il y a eu le HTC 10, il y a eu le Huawei P9. C'est tous des très bons smartphones. Mmh. Mais bon, déjà les tests ont tranché parce qu'il a eu une étoile de plus que les autres. Et à l'utilisation, moi j'ai pu en profiter aussi, alors je l'avais testé une semaine, j'ai pu en profiter un petit peu plus longtemps en le testant un mois, en l'ayant vraiment au quotidien. C'est vraiment un coup de cœur. Déjà au niveau rapidité, c'est assez impressionnant, il bien bouge sûr vraiment pas. Au niveau de la photo, quand il était sorti, on avait eu un petit débat. Sur sa qualité photo, avec Adrien par exemple, qui nous affirmait que sa qualité photo était inférieure par exemple oui à celle du S6. Oui, oui, oui. Alors, Adrien Bronco, oui, qui teste tous les appareils spécialisés voilà, en photo. Alors oui, c'est vrai, dans l'absolu au niveau du détail, mm-hmm, peut-être au niveau du piqué. Par contre, en fait, au quotidien, quand on s'en sert par exemple sur des écrans de smartphone ou d'ordinateur, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus de détails. Et en fait, en basse lumière, pour avoir eu beaucoup de situations, en fin de journée, etc., j'ai pris souvent, je me suis amusé à comparer les deux. Et le oui, S7, tu as les deux, hein. Voilà, j'avais les deux souvent mmh avec moi. Je comparais. Je comparais mmh et le S7 était quand même nettement au-dessus au niveau de la basse lumière. Donc il tenait sa promesse. D'accord. Et puis il y a deux points importants. Déjà c'est l'été, il peut aller sous l'eau.
Il est certifié IP68. Important. Donc ce serait quand même dommage pour ce prix-là de le perdre sur un coup de piscine ou de le faire tomber dans la flotte. C'était le cas avec le Galaxy S6, je crois, hein, qui était alors, déjà étanche. Alors oui, mais c'était le S5 qui était plus étanche encore, il me semble. Oui, le S5 était plus étanche et le S6 n'était plus. Le S6, il avait une norme d'éclaboussure, enfin c'était pas du tout. Là, c'est IP68 en fait. D'accord. Et le S5, il me semble qu'il était IP67, si je me souviens bien. Donc là, IP68, on va dire qu'on est encore plus serein. Si on est au bord de la piscine, etc. Il y a un système de cache sur le S5 qui était très pratique sur les... En fait, je suis en vacances tout de suite là. Donc je vais vous quitter. Pardon. Et donc le Galaxy S7, ouais, incontournable. Incontournable, le meilleur photophone à mon goût. Voilà, sur quasiment tous les points. Il est étanche. Et surtout, là où il bat vraiment la concurrence de façon assez large, c'est sur l'endurance. Il est, je dirais, 20 à 30% plus endurant que les concurrents. Alors en France on a l'Exynos pour les connaisseurs, c'est pas Snapdragon 820 donc ça consomme peut-être un petit peu moins, mais voilà. C'est pas le même pros que dans d'autres. C'est pas le même pros, exactement. Donc je crois qu'il a gagné la bataille. Ça me paraissait être le bon moment, comme il y a l'iPhone qui va arriver à la rentrée, etc. On fait un point sur le smartphone Android haut de gamme. Très bien. Pour ceux qui ont assez de sous pour partir en vacances et s'offrir un Galaxy S7. Ouais, en même temps, si on a mis 3 mois de salaire dans un smartphone, c'est peut-être pas celui qu'on a envie d'emporter sur la plage. Exactement. Hein. Le hashtag 01Live Info, si vous voulez réagir, est-ce que vous êtes d'accord avec Raphaël? Est-ce que vous avez pris en main ce Galaxy S7? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous. Hashtag 01Live sur Twitter, on vous attend les amis, bien sûr. Et comme il y en a pour tous les goûts sur 01Net TV, si on n'a pas les moyens de s'offrir un Galaxy S7, Raphaël, alors, à l'opposé aussi au niveau de la notoriété, c'est le Vernitor. Alors le quoi? Le Vernitor. Vernitor, ouais. Alors c'est un petit... Alors ça c'est un smartphone en fait, les amis. Un Vernitor. Hein. C'est pas une nouvelle couleur de vernis, je tiens quand même à le dire. Non, et c'est pas un héros avec un marteau ni quoi que ce soit, c'est un smartphone. Alors, attention Raphaël, attention. Attention à toi. Pente, tu commences véritablement à essayer de me copier, c'est pas bien. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors pour ceux qui connaissent pas Vernis, c'est-à-dire tout le monde, c'est une marque. Mais lui il est drôle. Voilà. Il me fait rire. Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc le Vernitor. C'est une marque chinoise, vous savez, il y a plein de fabricants à Shenzhen qui étaient des sous-traitants et ils se disent on sait faire des smartphones, pourquoi pas les vendre nous-mêmes? Donc ils sont lancés là-dessus, ils ont lancé leur premier smartphone, il coûte 120€, donc c'est vraiment très accessible. Il est hyper bien équilibré, il est assez puissant, il est même pas mauvais en photo pour ce prix-là. C'est assez rare. Il a un bon écran et surtout il a un capteur d'empreinte digitale. Pour ce prix-là, c'est quand même très très rare. Voilà, c'est un des autres 5 étoiles qu'on a mis en ce début d'année. Très bien. Voilà. Parfait. Donc si vous aimez. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Voilà. Comme ça, il vous restera un petit peu d'argent pour aller sortir cet été pendant les vacances. Voilà, la petite sélection de 01Net en termes de smartphone pour l'été. Si on parlait un petit peu de son, parce que c'est important, l'été, évidemment. D'emporter, de quoi profiter de sa musique. Oui, alors bon, là, on vous laisse, les amis, excusez-nous, mais avec Jean-Sébastien, on est Bose Corner, là. Donc, faites ce que vous voulez. On s'est réunis, on a essayé de sélectionner des trucs, et alors vous êtes tombés tous les deux sur les produits Bose. Vous êtes un peu gonflés, quand même. Ben non, pourquoi? Ben non, on a du goût, on n'y peut rien. Voilà, on a du goût. Évidemment. Voilà, vas-y, commence. Ben alors oui, moi je voudrais parler de cette enceinte, la Soundlink Mini 2, qui est cette minuscule enceinte de Bose, donc qui mesure seulement 18 cm de long, ça pèse à peine 600 grammes, c'est minuscule, ça a 10 heures d'autonomie, ça fonctionne en Bluetooth avec n'importe quel appareil, alors ça peut être un smartphone, une tablette, ce que vous voulez, et vraiment c'est toujours aussi impressionnant et un plaisir d'écouter le son de cette enceinte. C'est une tuerie. Elle est minuscule et il y a des basses incroyables, donc c'est vraiment parfait si on part, on a louer un appart, on est en pique-nique, on boit un coup apéro barbecue sur la plage, ce que vous voulez. C'est vraiment sur la nickel. Plage, non, il vaut mieux éviter parce que si tout le monde y va de non, sa petite enceinte sur la plage. Le soir, quand il n'y a pas grand monde, soir, si on est isolé, soir, sur une petite plage, enfin, c'est vrai qu'à 14h, ne mettez pas votre Bose à fond. Non, là, ça va être pénible. Mais vraiment, c'est. Ça empêcherait Jérôme de faire sa sieste, c'est embêtant. Ça vaut mieux en même temps la sieste au soleil à 14h, je suis pas sûr que ça soit... Sous un parasol. Ah oui, d'accord. Jean-Sébastien, brièvement, la différence entre celle-ci qui est donc la version 2 par rapport à la précédente qui était déjà alors c'est super un petit bien. Peu un petit peu le design, notamment celle-ci est noire, l'autre est très grise, bon c'est pas dingue. Ah ouais, c'est complètement révolutionnaire quand même. Mais surtout, il y a en fait c'est le système de jumelage Bluetooth qui est différent. C'est-à-dire que sur la première, c'était compliqué, à chaque fois qu'on voulait changer d'appareil, il fallait appuyer à nouveau sur le bouton Bluetooth pendant 5 secondes, attendre qu'il se mette en jumelage. En fait. Voilà, c'était compliqué. Là,
quand on allume l'enceinte, il y a une petite voix qui nous dit connecté à l'iPhone 6 de Jean-Sébastien et connecté à l'iPad de Jérôme. Et donc à partir de là, les deux sont connectés, c'est le premier qui met la lecture qui aura la main sur l'enceinte. Donc c'est hyper pratique en fait, dès qu'on veut qu'un ami veut nous faire écouter un morceau, il suffit d'arrêter la lecture sur son appareil. Enfin, c'est hyper pratique. Si après il y a deux personnes qui veulent pas écouter la même musique, c'est le fight. Ah oui, alors le fight du Bluetooth. Là ça devient terrible. Par contre, ça dégénère. Bon, son prix, on est à combien là ? C'est 229 €. Donc c'est pas donné, mais c'est quand même une super qualité et ça vaut la peine, vaut mieux mettre 229 € dans ce modèle-là que 180 dans un autre qui sera moins bon et voilà, ça sera des petites économies pour pas grand-chose. Donc celle-ci est vraiment à conseiller. Et alors, si on veut écouter de la musique, mais sans déranger les voisins sur la plage... Exactement, eh bien, François, on reste toujours chez Bose avec le QC35, qui est le tout nouveau casque de Bose qui vient de sortir, et qui est, on est d'accord hein, avec Jean-Sébastien, une petite tuerie. Complètement. Voilà. C'est un excellent casque audio, déjà. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cette particularité du son Bose, qui est assez riche, qui n'est pas forcément un son très linéaire, mais qui est quand même assez flatteur, et que, personnellement, moi, j'aime beaucoup. La particularité de ce casque, Jérôme, c'est qu'il est d'une légèreté et d'un confort incroyable. On a l'impression d'avoir un petit nuage sur la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un petit nuage sur la tête, mais ben voilà. Non, jamais, mais pourquoi pas. C'est à peu près ça. Il est très agréable. Il a cette particularité aussi d'un Bluetooth de nouvelle génération. On peut connecter plusieurs appareils en même temps. Par exemple, tu peux avoir ton iPad, mais aussi ton smartphone. Ça, c'est vraiment bien. Là, c'est exactement le même système que sur l'enceinte. En voilà, et c'est vraiment très pratique. Bon, voilà, le son est très bon, il est très confortable, je l'ai dit. Il le est plutôt bien fini. Alors voilà, c'est ça, c'est là où ça se complexifie un petit peu. C'est pas donné, je te le dis tout de suite. Il va falloir faire un choix. Ou c'est le Vernitor et le Bose, mais ça peut pas être le Galaxy S7 et le Bose. On est à 399 €. Wow. Je sais que c'est cher. 380, je crois, non ? Oui, enfin 380, on peut le trouver même un petit peu moins cher. Mais je crois que le prix public, c'est 399. Ouais. Enfin, voilà, on est dans ces eaux-là, quoi. C'est pas donné. C'est pas donné. Est-ce qu'il isole toujours aussi bien là ? Alors, je trouve moi que la réduction, parce que effectivement, il a cette réduction de bruit pour ce prix-là, hein, bien sûr. Il a une réduction de bruit qui est active, que moi je trouve efficace. Je crois que Jean-Sébastien, tu l'avais trouvé un petit peu moins efficace. On l'a mesuré justement au labo. On perdait un peu plus d'un décibel entre les deux. Enfin, c'est pas terrible entre le mode éteint et allumé, donc il était un peu moins efficace, mais ça s'entend vraiment à peine. Et la plus-value du casque sans fil par rapport au précédent qui était filaire est vraiment tellement pratique. Ça vaut la peine de perdre un petit peu cette réduction de bruit qui est un peu moins efficace, mais ça s'entend à peine, vraiment, voilà, c'est pas grand-chose. Idéal si vous partez en vacances loin, voilà, dans les voyages, avions, dans les trains, mais même par exemple, tu sais, sur la plage, t'as envie de te reposer, t'as pas envie d'entendre les bruits ambiants, etc. Eh bien, ça marche aussi, c'est assez efficace. Même sans musique, c'est parfait. Super, ben voilà. Voilà. Donc deux produits audio Bose, hein, que voulez-vous. Voilà, on referme le corner Bose. Ouais. Jérôme. Moi, je voudrais vous parler d'un... Bon, on va aussi taper dans des prix assez élevés malgré tout, hein, parce qu'on a un peu des goûts de luxe, mais bon, que voulez-vous. Quand même, l'été, c'est la liseuse, inévitablement. Donc, moi, ma liseuse coup de cœur de l'année, ben, c'est la Kindle Oasis, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines. Petit format carré, une autonomie de fou, parce que il y a une astuce... Vous avez la batterie d'origine qui vous donne déjà 8 jours, à peu près 8-15 jours je crois, comme sur toutes les liseuses. Mais en plus, à l'intérieur de la housse, vous avez une deuxième batterie qui va prolonger l'autonomie de plusieurs semaines. Alors il parle même de plusieurs mois, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, on la charge avant de partir en vacances et puis grosso modo, on n'y pense plus jusqu'à la fin des vacances. Le confort est super, elle n'est pas très belle, elle n'est pas très fun, mais elle, en termes de lisibilité, elle est géniale. En termes d'ergonomie, on la tient d'une main. Le fait qu'il y ait un côté plus épais que l'autre, c'est plutôt pratique parce qu'en fait... déjà testé sur la plage. Hop là, on retourne et ça marche. Ouais, en fait. Ouais. Que ce soit pour les droitiers ou pour les gauchers. Et puis au bout d'un moment, on fatigue, tu sais, avec un bras. C'est vrai. Donc tu peux la prendre de l'autre côté avec l'autre bras. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, l'autre bras se repose. C'est sans doute vraiment la meilleure liseuse du moment. Elle est chère. Elle fait presque 300 € en version Wi-Fi. Quoi ? Non, mais tu es malade ! 350 €. 350 € une liseuse ? 350, c'est avec la version 3G. Connectivité permanente dans tous les pays. Ah, ça, c'est pas mal. Vous êtes au fin fond de la Papouasie, il n'y a pas de Wi-Fi, vous voulez acheter un livre, télécharger un livre sur la plage. Je suis pas sûr qu'il y a 3G en fin fond de la Papouasie. Bon, perso, il y en a, tu vas aller voir. Ouais, ouais. D'accord. Papouasie Télécom. Papouasie Télécom, c'est sûr. Et vous pouvez télécharger directement. Voilà. Sinon, juste rapidement, il existe bien sûr des liseuses moins chères.
Oui. Et puis il y a même des liseuses étanches qui vont dans l'eau. Et ça aussi, ça peut être plutôt pas mal. Ça peut être pratique. C'est un ordinateur très puissant, c'est une installation qui est très lourde. Mais on va dire que si on devait s'imaginer la réalité virtuelle voilà, telle qu'on la rêve un petit peu, c'est vers ça. Alors c'est loin d'être parfait, c'est voilà, la première pierre de l'édifice de la réalité virtuelle, mais c'est le bon édifice. C'est voilà, vrai. C'est, on est ça dans la bonne direction. Vraiment le coup de cœur de ces premiers mois de l'année, hein, en tout cas quand il est arrivé à la rédaction. Ouais, alors en tout cas mon coup de cœur, on va pas dire aux gens de l'acheter forcément tout de suite, on va dire que c'est vraiment l'effet waouh et voilà, la confirmation que c'est possible et qu'on peut voilà, passer ce cap. Exactement. Rappelons que voilà, l'équipement donc c'est 800 euros. Après, il faut rajouter un PC puissant quand même. On va dire 1500, je dirais, minimum. On est à plus de 2000 euros. On est à plus de 2000 euros, donc évidemment. Et puis surtout, il faut installer des capteurs partout dans la maison. Donc, c'est une installation un peu laborieuse, mais ça vaut le coup. C'est sûr qu'après, tu peux plus partir en vacances. Ah bah non, là c'est clair, c'est certain. Merci beaucoup Raph. Avec plaisir. Merci à Jean-Sébastien et on va revenir dans un instant. Alors on aura d'autres produits à vous proposer avec la rédaction de 01net.com. Mais on a aussi notre question 01net Orange. Jérôme, ça serait peut-être pas mal de faire un petit point maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es ready? Votre accessoire high-tech le plus précieux en vacances, celui avec lequel surtout sans lequel vous ne partiriez pas. Dites-le nous, routeur 3G, liseuse, coque étanche, enceinte sans fil, batterie de secours. Vous allez sur www.01nettv.com pour voter. Batterie de secours. Ah oui, ça c'est vrai. Bah quoique. Ah, quand même, si t'as pas de batterie de secours et que t'as plus d'énergie, le reste sert à rien. Hein. C'est la base. Peut-être. Bon, peut-être. En tout cas, allez-y, 01net.com, votez. On fera un point tout à l'heure, 18h17. Et vous allez voir, après un jingle, elle arrive. Et c'est Delphine Sabatier qui est avec nous pour son Zoom Actu. Hey, bonsoir. Bonsoir Delphine. C'est un oui, on jouait. Toi, c'est la Coupe du Monde. On est à fond sur le foot. Tout. Non, c'est l'été. Pas la Coupe du Monde, pardon, je sais pas. Jérôme qui a fond dans le foot. C'est la Coupe du Monde, oui, bien sûr. C'est la Coupe du Monde d'Europe. Mais oui, c'est la truc du monde, là. Stop, Jérôme. Arrête, parce que là, je crois qu'on est au bout du rouleau, tous. Et on est ravis d'accueillir Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Bon Zoom Actu. Et Delphine, vous allez un petit peu nous casser l'ambiance. Pas du tout. Non ? T'es pas sympa ? Bah moi je sais pas, parce que voilà, j'ai le lancement, hein, et la question c'est, il faut déconnecter pendant les vacances, peut-on déconnecter pendant les vacances ? Avant la Coupe du Monde, hein, Delphine. Ça va ! Peut-on déconnecter ? C'est une question, parce peut-on que déconnecter ? D'abord... Est-ce qu'on a envie de déconnecter? Alors j'ai regardé, il y a une étude qui a été publiée par l'Iligo et qui dit que 80% des Français ne vont pas déconnecter pendant les vacances. Déjà, c'est quand même un indicateur. Ensuite, j'ai noté aussi 42% qui vont même emporter leur PC portable pendant les vacances. Ça, c'est vraiment, on est à fond, on déconnecte pas du tout. En avion, la moitié des passagers sont prêts à payer plus cher pour pouvoir être connectés tout là-haut en l'air. Ouais. Alors moi, je n'y donnais pas de mauvaise idée, ce serait quand même mieux si c'était gratuit. Et seuls 4% des personnes vont laisser leur smartphone à la maison. Alors d'ailleurs, ça m'interroge beaucoup. Je me dis, qui sont ces gens qui vont laisser leur smartphone chez eux et partir comme ça en vacances sans téléphone? Attends, moi j'emporte mon PC de bureau. Hein. Ah voilà, donc soit ils sont super détachés par rapport aux nouvelles technologies, soit on leur a offert, ils n'en voulaient pas, je ne sais pas. Ou alors, il y a une autre version possible, c'est qu'on les a forcés. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Mais j'imagine le geste quand même. Bon, allez, je pars en vacances, je prends mon smartphone, je l'éteins, le range dans le tiroir. Hein. Tout à l'heure. Enfin, plutôt à quelques jours. C'est bizarre. Bon, Delphine, il y a, alors, vous le savez peut-être, des cures de digital détox où, en fait, on vous prive de smartphone. Est-ce que vous avez testé ça? Ah, c'est ça. Ce sont les tortionnaires, je pense, qui obligent les 4% à laisser leur smartphone à la maison. Donc, quelle horreur. Moi, je ne l'ai pas testé. Ça, la rédaction de 01net.com n'a pas voulu tester. On a envoyé un cobaye, en fait, dans une super pigiste très chouette, qui s'est rendue dans la version la plus soft quand même. Elle a été prudente, elle a choisi un hôtel à Paris où pendant juste une journée, on vous prend votre smartphone. Alors autant vous dire que c'est de la blague, hein. Vous payez très cher pour un bel hôtel de luxe, mais vous vous déconnectez très peu finalement parce qu'on prend, on vous prend juste votre smartphone. En plus, vous pouvez emmener plein d'autres petits gadgets si vous en avez. Ah d'accord. Voilà, ça dit, il y a quand même des camps très sérieux, où là, on déconnecte, en Californie notamment, puisque dans la Silicon Valley, on doit être hyper stressé par toutes les données, on a besoin de prendre l'air, et donc il y a un camp Grounded qui vous permet un retour aux sources, et là, c'est assez brutal. Il y a aussi une agence de voyage
qui a été lancée par un Français qui s'est rendu compte qu'en revenant d'une zone où il n'y avait aucune connexion Internet, et ben c'était génial, les vacances. Et donc depuis, il propose des voyages détox en Grèce pour l'instant et au Portugal. Petit clin d'œil pour Portugal, peut-être qu'on rencontrera en finale. Bon, bref. On a un portugais, on n'entend même pas. Là, en gros, les voyages détox, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, vous allez avoir plus d'interactions avec les gens avec qui vous allez partir plutôt que de l'interactivité. Ouais, ouais, c'est beau. Ouais. Et puis, vous allez plus vous reconnecter sur vous-même plutôt que de vous connecter sur Internet. Pour parler aux poissons, tout ça, c'est cool. Voilà. On peut manger donc, des racines. Tout ça, c'est très bien. Ouais. Si vous n'avez pas envie d'aller jusque-là et d'avoir une version brutale de vos vacances, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire pour rester un peu plus zen pendant l'été. C'est-à-dire, alors, quelques conseils. Alors, quelques conseils. D'abord, ça se prépare. Il faut s'organiser. C'est-à-dire qu'il faut déjà prévenir un peu votre entourage que là, vous les gars, être nerveux. On va débrancher c'est comme quand on arrête un de fumer. Petit peu. On va être moins au taquet, on va moins répondre aux mails. Il faut prévenir les gens. Ensuite, il faut s'organiser aussi. Il faut prévenir sa boîte mail. C'est-à-dire qu'il faut créer un message d'absence. Ah oui. Pour dire à tout le monde, je ne suis pas là, je suis en vacances. Et puis, il faut balancer un collègue qui, lui, sera là et pourra traiter toutes les urgences plutôt que les bien voir sûr. S'accumuler pour votre retour. Évidemment. Ça, c'est important. Désactivez aussi sur votre smartphone les notifications de mail automatiques. Ça, franchement, je pense que c'est mieux de faire une action manuelle pendant l'été. De la même façon, toutes les notifs d'alerte des applications de news... Peut-être qu'il faut en sélectionner que quelques-unes et pas toutes. Hein. Il faut quand même essayer de se relaxer. Enfin, ne désactivez pas 01 net. Hein. Non, mais en plus, non. On ne harcèle pas en termes de notifications. Vrai, voilà. Puis nous, l'été, on est en vacances. quoi d'autre ? Eh bien, à la plage, on essaye de rien prendre aussi. Ou alors, on prend du renforcé comme pour ne pas abîmer ses affaires. Et je pense qu'il y aura des recommandations à ce sujet. On va en parler dans c'est tellement instant. Moche, lourd, que de toute façon, on n'a pas envie de sortir tout le temps. Comme ça, on arrête aussi les selfies. On se fixe aussi quoi les plages horaires. On se fixe des plages horaires pour checker ses mails et travailler, parce qu'il faut peut-être pas, parfois, on est obligé quand même un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, en revanche, moi, j'ai fait ça l'année dernière, je me suis dit, je ne me connecte que le soir, et ben j'ai malheureusement bouffé toutes mes vacances, c'était vraiment un été pourri. Donc, là, je suis en train de réfléchir à un nouveau créneau pour cet été. Voilà. Il va falloir me raconter ce que vous avez fait après les vacances, Delphine, franchement. Ben, je suis sortie. Voilà, c'est ça. bon, et en fait, tu recommandes de ne pas vraiment se déconnecter, quoi. Voilà, moi je recommande plutôt la cool attitude par rapport à la détox, plutôt que la vraie digital détox sévère. C'est un peu comme les régimes, hein. Je pense que si on a trop de frustration, finalement, eh bien, on passe de mauvaises vacances, c'est quand même pas le but. En plus, ici, là, ce soir, on va avoir plein de conseils pour être bien équipé. Moi, je pense qu'il faut avoir le bon matériel, les bonnes applis, les bons jeux vidéo éventuellement. En tout cas, il faut essayer de se faire plaisir. Et puis du wifi partout, moi, je trouve que ça rend quand même tout le monde un peu plus zen. Parce que justement, on peut faire ce qu'on veut, on peut se connecter ou pas se connecter. C'est bien un sûr. Peu ça, les vacances. Oui, c'est aussi ça, les vacances, de faire ce qu'on a envie de faire. Exactement. Si on a envie de se connecter, ben, ce qui n'est pas voilà. si facile non plus. Vous êtes plein de sagesse. C'est bien. Voilà, ça sera le mot de la fin de Delphine. Voilà, merci. Donc détox tranquille. Merci Delphine et bonnes vacances. Merci, bientôt et bonnes vacances à tout le monde. On continue dans un instant avec la suite de nos recommandations pour l'été, avec les petits joujoux de François Bedin et de Jean-Sébastien qui est toujours là. Alors, l'été malgré tout, pardon. Non, mais je voulais simplement dire hashtag 01 live. Si, est-ce que vous allez vous déconnecter pendant ces vacances? Dites-nous, hashtag 01 live sur Twitter, on vous attend. Oui, je disais l'été quand même, bon, on fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Jean-Sébastien, un petit joujou vraiment sympa pour ne pas rater ses vidéos. Oui, on a testé ça dernièrement à la rédaction, c'est Amélie Charnet, notre collègue là, qui s'en est chargée. C'est un, en fait directement un stabilisateur sur lequel on va connecter son smartphone. Donc ça fonctionne avec les smartphones jusqu'à 5,5 pouces. Et en fait, tout simplement, ça permet de prendre des vidéos d'une stabilité, franchement c'est bluffant. Oui, c'est-à-dire le truc qui saute. Déjà, il y avait des progrès qui avaient
avait été fait en termes de vidéos sur les smartphones, notamment sur les iPhones, les modèles haut de gamme, les Galaxy S7 et autres. Là, vraiment, c'est une stabilisation mécanique en plus de la stabilisation, on va dire, optique qu'il peut y avoir sur ces smartphones. Et du coup, on a des images, vraiment, si on passe des vacances un petit peu sportives à faire voilà, des sports extrêmes, des là, choses comme vous, ça. Hein, je crois. Oui, hein, alors ça, c'était un petit week-end en famille. Voilà, là, j'allais chercher du pain à moto. Oui, je m'en souviens très bien. Voilà. Et ça, c'était quand j'étais enfant. Non, enfin bon. Donc, moins barbu, hein. Ouais, moins barbu, c'est sûr. Ouais. Mais du coup, ça permet d'avoir de faire des plans déjà assez fous parce qu'on peut emmener le stabilisateur à ras de terre, le monter au-dessus de soi. Donc, ça permet d'avoir des angles qu'on peut avoir différemment. Ça fait des images de pro. Voilà, ouais. Vraiment, c'est ça, oui. C'est vraiment, on a l'impression. C'est bluffant, quoi. Avec un smartphone haut de gamme qui fait déjà des bonnes images vidéo, c'est vraiment super bluffant. Ben, on peut dire que si vous regardez régulièrement les vidéos de notre camarade Pépé Garcia hein, sur 01net TV, Power, très très souvent il filme avec de la stabilisation. Tout à fait, c'est exactement ce même système donc qui fonctionne avec des sortes de moteurs qui permettent de compenser les tremblements. Donc c'est alimenté quand même en électricité. Il y en a à tous les prix en fait. Il y en a à tous les prix, ouais, ça va vraiment de prix inférieur à 100€, 50€. Celui-ci est un petit peu cher, mais il est quand même très très bon. Il coûte 250€. Voilà, ça s'appelle le Feiyu G4 Plus. C'est chinois, c'est très bonne qualité en termes de finition. Et vraiment, c'est parfait si on veut avoir quelque chose un rendu un peu plus pro que la photo là, ou la vidéo prise à bout de bras et qui tremblote habituelle, quoi, on va dire. Bon, après le stabilisateur pour smartphone, on reste toujours dans les accessoires pour smartphone, justement, Jérôme, avec il faut bien les protéger, nos petits joujoux. Oui, alors ça tombe un peu sous le sens, mais c'est quand même un petit conseil à rappeler. Avant de partir en vacances, si vous avez un joli smartphone, surtout, n'oubliez pas d'acheter une coque, parce que c'est là où il risque de souffrir. Alors, soit vous avez carrément la coque étanche pour pouvoir même prendre des photos sous l'eau ou au cas où il tomberait dans l'eau. Mais j'ai pas confiance en ce genre de truc. Ah, je me dis une coque étanche, il suffit qu'elle soit pas étanche et je perds mon téléphone, quoi. Et c'est vrai, j'ai toujours ce stress de me dire est-ce que je l'ai bien fermé, est-ce que ça va vraiment marcher, quoi. Alors avant la coque étanche, il y a tout simplement aussi la coque renforcée. Parce que c'est vrai que l'été, on est plus souvent dehors, en plein air, et c'est là où les accidents arrivent. Donc, regardez, moi je vous ai apporté ma petite connexion personnelle de coque renforcée, donc vous avez du tout, vous avez le look un peu Terminator, vous avez du look un peu discret, vous avez ça c'est Griffin qui est un peu spécialisé là-dedans. Alors c'est un truc très compliqué qui se met en plusieurs morceaux. Voilà. Voilà, tu vois, c'est... Oui, c'est bien. C'est Ikea, quoi. Ouais, et il y a celle-ci qui est plutôt pas mal, parce que, regardez, elle ressemble à un truc souple, assez standard. Et en réalité, ça fait appel à un matériau très spécial qui s'appelle le D3O. Ah, et là, les amis, attention. Attention. Démonstration. Expérimentation. Petite expérimentation sur le plateau. Qu'est-ce que c'est que le D3O ? C'est de la mousse. Donc vous voyez que c'est de la mousse. Donc, ça, le doigt s'enfonce. Mais j'ai ici une autre mousse un peu plus traditionnelle dans laquelle je peux également enfoncer mon doigt. Or, la particularité du D3O, c'est que quand vous avez un choc, ne m'interromps pas pendant ma démonstration. Non, des occupations qui sont passionnantes. Mes soirées quand même. Regarde, je fais tomber par exemple ce marteau sur une mousse normale, ça rebondit, on est d'accord. Non, ça rebondit. Voilà, ça rebondit. Et sur ce matériau-là, eh ben, ça ne rebondit pas. Car ce matériau a une particularité qu'on appelle... C'est une matière réo-épaississante. Mais bien sûr, réo-épaississante. Voilà. C'est votre petit cours de physique chimie du soir. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il se durcit quand il y a un choc. Et c'est utilisé d'ailleurs, soit dit en passant, également pour des protections de moto. Et maintenant, disponible sur Terre pour des smartphones. Voilà. Pierre Belmar sort de ce corps. C'est tout. Oh, c'était bien. Là. Voilà, mais belle démonstration. Hein. Il y a le petit outil et tout, vous avez vu dans la démo. Vous avez vu ça ? C'est impressionnant. C'est pas tout nouveau, hein. Ça fait quelques années que ça existe, mais c'est anglais. On reste toujours dans les smartphones avec la voiture, parce que c'est vrai qu'on va être nombreux à prendre la route. C'est jamais où on va l'accrocher, ce smartphone. Voilà. Alors parfois il pendouille à droite, à gauche, etc. C'est devenu l'utilisation classique. On utilise son smartphone comme GPS. Hein. Bien sûr. On lance Waze, on essaye de l'accrocher
brancher comme on peut à son tableau de bord. Il y a les solutions avec les ventouses sur les pare-brise, mais alors dès qu'on l'enlève, ça laisse une grosse trace ronde sur le pare-brise, c'est absolument affreux. On est obligé de nettoyer tous les jours. Et donc Belkin a une idée assez assez astucieuse, c'est de faire un support qui se fixe sur les portes gobelets en fait, parce que tout simplement dans les voitures, des portes gobelets partout maintenant, souvent sur la console centrale, parfois sur sur le tableau de bord, sous les grilles d'aération. Et donc ce système va se mettre directement dans le trou du porte-gobelet et vous allez pouvoir fixer votre iPhone ou votre Galaxy S7, c'est disponible avec n'importe quel smartphone en fait, hein, tout simplement, à ce support. Et du coup, tout simplement, sans avoir à l'accrocher comme on peut au pare-brise, et des fois ça tombe avec la ventouse. Alors, etc. Où est-ce que tu mets le gobelet? Il y a souvent deux portes-gobelets. Oui. Donc on peut l'utiliser pour mettre l'autre porte-gobelet à côté. D'accord. Je vais vous laisser tous les deux, parce que là, franchement, on est quand même à compter les porte-gobelets dans les voitures. Parce que si on rentre après dans les détails, je pense que certains véhicules ont qu'un porte-gobelet. Exactement. Et là, ça va vous stresser à tous les deux. J'ai pas envie. Alors moi, j'ai juste pour te taquiner un peu, comment tu fais pour regarder ton GPS si le porte-gobelet est sur le côté? Moi, dans ma voiture, il est entre les deux sièges. On l'a juste là, c'est sûr qu'on l'a pas. Mais c'est idiot ce truc. Mais non, on l'a pas au niveau des yeux. Mais on n'a pas besoin de regarder son GPS toutes les 3 secondes, on en met les alertes. Ouais, mais c'est dangereux, puis, parce que si t'as ton GPS qui est sur le côté comme ça et que la route est là... Il dit aller à droite, aller à gauche. Ouais, ça va, ok. Bon, non, moi je l'aime bien, Jean-Sébastien. Je vais pas l'accabler plus que ça, parce que je l'aime bien. Parce que vous avez pas la bonne voiture, parce que normalement, les bonnes voitures, il y a les portes gobelets sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord? Ouais, c'est dans les camions, c'est son camion. Non, qui sortent du tableau de bord, qui sont coulissants. Voilà. Et donc, tu es le seul à partir en vacances dans un 38 tonnes, Jean-Sébastien. Mais il y a de l'espace au moins. Non, s'il vous plaît, arrêtez, parce que François Benoît est en train de s'endormir. Donc je pense que maintenant c'est à lui, il faut y aller. Hashtag 01 live. On parlait tout à l'heure de est-ce que vous voulez vous déconnecter ou pas. Alors il y a Speedy qui nous dit moi c'est impossible que je me déconnecte. Il rajoute même MDR, donc attention. Et puis on a aussi Gabriel qui nous dit moi sans téléphone je bug jusqu'à ce qu'on me le redonne, donc voilà, c'est compliqué quand même se déconnecter. François Benoît est avec nous, salut François. Bonjour. Bonsoir François. Ravi d'accueillir François qui voilà a sa petite sélection. Et on va commencer par quoi, mon cher? Alors François, on va commencer par du stockage pour iPhone, parce que le problème de l'iPhone, il a tout prévu dans sa poche et tout, vous avez voilà vu. Alors la peu classe. Voilà un premier objet. Hop là. Signé Lexar. François nous a apporté un câble. Et deuxième objet, signé SanDisk. Oula. Alors j'explique de quoi il retourne. En fait, c'est des petits appareils qui peuvent servir de clé USB. Donc ça fonctionne comme une clé USB normale. Et ça peut aussi se brancher en Lightning sur les iPhones ou les iPads. L'objectif est le suivant, c'est que si par exemple on n'a plus de place sur son iPhone pour faire de nouvelles photos, eh ben on peut transférer les anciennes photos très facilement sur ces petites clés USB. Ah oui. D'accord. Voilà. Oui, si on a un iPhone de 7 gigas et qu'il est plein à ras-bord, Autre, ça peut nous sauver. Autre avantage intéressant, c'est que si on est chez des amis, on prend des photos et on veut leur passer. Alors pour éviter de passer par le cloud, etc. ou par mail, eh ben en fait, il suffit de transférer les photos sur la clé et de rebrancher la clé sur l'ordinateur de l'ami. D'accord. Donc ça, c'est le produit que Jérôme est en train de montrer, hein, dont tu parles. Et le câble fait la même chose. Alors là, il fait une chose en plus, c'est qu'il sert de câble de recharge. Donc ça évite d'emporter le câble traditionnel de l'iPhone. Bon, c'est un petit câble de recharge. C'est super discret. Tout petit, mais c'est déjà pas mal. Mais ça fait exactement la même chose, ça permet de transférer. Et petit bonus, c'est que on peut mettre par exemple ces séries télé sur la clé USB et ensuite avec une application qui est fournie gratuitement, les relire sur l'iPhone. Ah, oui. Ce qui évite donc par exemple d'avoir à tout transférer sur l'iPhone. Et encore de prendre de la mémoire interne. Et ça permettra par exemple à Jérôme de regarder les meilleurs matchs de la Coupe du Monde, par exemple. Ça peut être ça en différé. Voilà, alors on a un grand choix de capacité et de prix, donc ça va entre 50 et 150 euros selon la capacité qu'on prend. Par exemple, du 64 gigaoctets, c'est une centaine d'euros. Ah ouais, quand même. Hein. Mais bon, le stockage, ça a le mérite d'être quand même pratique. Et puis il y a du Lightning, etc. Il faut redonner un petit peu d'argent à Apple à chaque fois. François. Et je termine par... Oula. Attention. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ceci est un disque dur portable signé Western Digital, enfin WD, parce que maintenant c'est le nom de la marque. François est amoureux des disques durs, il faut le savoir hein, quand même. Hein. Sauf que il a beaucoup de fonctions en plus d'un traditionnel disque dur USB. En particulier, il a un lecteur de carte SD intégré, qui est sur le côté. Mais Jérôme, c'est pas le bon côté. On enclenche la carte SD dans le lecteur et qu'on appuie sur un bouton, les données de la carte SD sont transférées automatiquement sur le disque dur. Automatique. Sans avoir besoin de PC pour le faire, en fait. Voilà. Ce qui fait que quand on est photographe et qu'on n'a plus de place sur sa carte SD, ou qu'on veut faire une sauvegarde, on peut la faire très facilement. Pratique. Pas mal. Alors,
Il fait autre chose aussi, c'est qu'il a du Wi-Fi. Il fait disque dur Wi-Fi. Alors, ça permet aussi de faire des transferts de fichiers avec son smartphone et sa tablette. D'accord. Et ça permet de regarder en streaming des films, des photos ou par exemple des fichiers, d'écouter des fichiers audio. Donc c'est vraiment un appareil qui est vraiment multi-usage. Et ça coûte combien cette histoire de... Et ça coûte 270€ pour 2 Teraoctets. Ce qui est déjà très confortable, et il y a pour une version 3 Teraoctets qui existe encore. Le seul petit désavantage qu'il a, c'est qu'il est assez lourd, il fait 450 grammes, ce qui est quand même un peu lourd pour un disque dur portable. D'accord. Il a une batterie intégrée ou est-ce qu'il faut le brancher pour qu'il fonctionne? Voilà, il a une batterie intégrée, on l'a testé en diffusion vidéo, il a tenu 7 heures, ce qui est tout à fait raisonnable. C'est déjà pas mal. Oui, mais ça peut être sympa aussi, par exemple, dans la voiture, vous avez des enfants derrière, avec une tablette, et vous pouvez streamer énormément de contenu stocké sur le disque dur, on est d'accord, on peut faire ça. Hein. Mais Western Digital vraiment insiste lourdement sur le fait que pour les photographes, c'est vraiment la solution idéale quand on est en balade et quand on veut décharger les cartes. Voilà, et qu'on n'a pas l'ordinateur portable sous la main. Donc c'est vraiment une solution intéressante. Très parfait. Eh bien Jérôme, on a terminé. Voilà, on a presque. Toi, tu n'as pas eu encore une petite chose pour nous. Mais oui, c'est vrai, j'allais l'oublier. Mon Dieu, quelle honte. Il faut tout lui dire. C'est une appli. Et c'est une... Alors on va faire un peu corporate, mais sincèrement pour l'avoir testé, c'est pas mal du tout. C'est une nouvelle appli 01 LED qui est disponible sur iOS et sur Android, les amis. Et c'est une appli qui va vous permettre de tester votre débit lorsque vous êtes en vacances. Ah bah oui, parce que tu pars en vacances, tu arrives dans un hôtel, Wi-Fi gratuit, etc. Tiens, le Wi-Fi gratuit, parfois il n'y a pas de débit. Et bien là... 4 kilooctets par minute. Exactement, on n'arrive même pas à regarder YouTube, enfin, ou 01 LED TV, c'est la catastrophe. Là, vous allez pouvoir sélectionner finalement votre hôtel en arrivant. Attendez, vous dites, oulala, vous arrivez à la réception, vous faites un petit speed test avec l'appli 01 LED. Ça va pas du tout ça. J'ai assez de débit, ok. Et si on a passé, vous partez en pas chassé, vous allez à un autre hôtel, comme ça, avec du débit. Tu vas me dire, je sais ce que tu vas me dire, ouais, mais ces applis speed test, il y en a des dizaines, etc. Mais celle-là, la particularité qu'elle a, c'est que à chaque fois que tu fais un speed test, il est sauvegardé sur une carte et tu vas pouvoir voir toutes les autres personnes qui ont fait des tests de débit à un endroit précis. Ah, et voir s'ils ont un meilleur débit. Exactement. Et tu peux le faire en Wi-Fi, en 4G et en 3G, ça marche aussi bien, donc en Wi-Fi qu'en 4G. Ça c'est pour éventuellement, si t'es vraiment en galère, mais c'est plutôt chez toi, pour t'inciter à changer d'opérateur alors peut-être. Pourquoi pas aussi, mais si par exemple tu te rends compte que à ton travail tu ne captes pas ton réseau et que tu vois qu'il y a d'autres réseaux qui passent mieux, là aussi tu peux faire un check. Donc voilà, c'est l'appli, vous tapez simplement sur le store 01net et vous verrez, il y a une appli 01net Speed Test qui vient d'arriver, c'est tout frais. Très bien, super. Bon, alors là, nous avons terminé pour de bon. On a fini, mais avant de nous quitter, quel est votre accessoire high-tech le plus précieux en vacances? C'était la question 01net Orange du jour. Eh bien, voici la réponse. En tête, François, tu avais raison, c'est la batterie de secours pour 44% d'entre vous, suivie de l'enceinte sans fil, du routeur 3G, la liseuse, ça vous transporte pas, et les coques étanches, 5% seulement, vous avez tort. Vous le regretterez, je vous le dis. Non mais la batterie de secours, c'est un peu comme si on disait, bon allez, tu pars 3 heures dans le désert et tu prends pas d'eau, quoi. C'est à peu près la même chose. C'est la même chose. On est d'accord. Ouais. Et pour la petite histoire, il y a des enceintes sans fil qui font batterie aussi. Tout à fait. Ah, qui ont des ports USB. Et alors là, c'est bien parce qu'on pourrait mixer les résultats du sondage. Non mais c'est vrai. Non mais c'est bien, ça évite d'avoir deux choses à la fois. Merci beaucoup à Jean-Sébastien Zanqui. Merci beaucoup. Et merci à François Bedin. Jérôme, on se retrouve non pas la semaine prochaine, non, parce la que semaine c'est le 14 juillet. Non, c'est le 14 juillet. Tu seras en train de régler les derniers détails pour le feu d'artifice. Ouais, j'ai la Coupe du Monde en plus. Et puis t'as la Coupe du Monde. Ce sera fini, hein, je tiens quand même. Oui, ça finit dimanche. Y a pas un truc de vélo maintenant, là? Oui, il y a le Tour de France. Il y a la Coupe du Monde des Jeux Olympiques aussi qui arrive. Il y a pris la Coupe du Monde des Jeux Olympiques qui arrive un petit peu plus tard. Ah, okay. Bon, on va débriefer, Jérôme, concernant les grandes retransmissions sportives. Ouais. En tout cas, allez les Bleus pour ce soir. Voilà. Merci à Pierre Thiolin, Thomas Romiret et Jérôme Giliberto, sous la houlette de Florian Beaufreton. Voilà, sous la houlette. Exactement, c'est vrai qu'il a une très jolie houlette, on l'a remarqué déjà. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous, bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances, profitez-en bien et on se retrouve dans 2 semaines et autrement tous les jours, toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Portez-vous bien. Salut à tous.